Donc j'avais commencé mes démarches en 2014 pour une recherche de locaux. Donc j'ai rencontré l'équipe de Saint-Malo Agglomération qui m'a parlé de ce concours. Alors c'était très intéressant pour nous parce que la société s'est montée sans financement. Donc ça nous a permis de régler les premières factures et puis de pouvoir se mettre en place, d'acheter les premières machines. Les deux. Donc Petit Ours Brun, ça nous a permis de travailler sur le premier projet 3D assez volumineux. Idée fixe, qui est arrivé 2 ou 3 ans après, nous a permis de progresser dans le domaine de la 3D. Le choix a été fait puisque je suis né à Saint-Malo et que j'ai démarré dans l'animation à Saint-Malo. On avait il y a une vingtaine d'années un studio qui s'appelait Pixiebox, qui était du côté de Paramé. Donc j'ai fait mes débuts dans ce studio, j'y suis resté 2 ans avant de partir vers Angoulême, le Canada, le Luxembourg et la Belgique pour revenir à Saint-Malo. Alors la 3D c'est très intéressant, c'est assez technique. La 2D, il y a une affinité qui est plus forte personnellement. Les deux sont très bien, ce sont deux moyens d'expression qu'on arrive même à mélanger sur certains projets. Cette année, on est à 70 personnes essentiellement sur la série des fixes et les irréductibles. Mais on travaille également sur des publicités, sur des petits projets. On est actuellement en co-développement sur une série qui sera présentée au Forum Cartoon de Toulouse en septembre. Mon expérience étonnant créateur, elle était vraiment enrichissante. D'une part au niveau du montage du dossier, la sélection du jury est très forte. Et voilà, ça permet aussi de se situer. C'est vrai qu'on est sur une activité internationale, donc on a beaucoup travaillé avec l'étranger. Mais c'est aussi très bien d'être reconnu en local. Moi, je suis plutôt étonnant et je travaille avec des créateurs. Donc, j'ai pas une patte artistique au départ. Donc, ce que j'essaye, c'est pas forcément d'être créatif, même si je peux amener des idées, mais c'est surtout de réussir à rassembler les bonnes personnes, les bonnes équipes, selon les projets. Je pense qu'il faut y aller avec un bon projet. Je pense qu'être sélectionné, c'est déjà une bonne chose, même si on n'a pas le prix au bout. Déjà, pouvoir participer, c'est une excellente chose. C'est déjà une belle reconnaissance. Et voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est de décrocher un prix dans l'un des domaines.